57% premier service pour le premier joueur. Le deuxième, 27 Masters 1000 gagnés dans sa carrière. Le premier à mettre le pied sur le coup est de la République tchèque, Lucas Rosso. Il est dans le tunnel, il arrive, 14 titres du Grand Chelem et l'occasion de revenir à Paris, Raphaël. Lucas, number, that's it. Hi, sir. You start? You said the stairs. That's it, that's it. Okay. You start? Yeah. Voilà. Le monde du passing shot, alors soit en un temps ou en deux temps, en fonction de sa position, mais là normalement c'est une balle qui ne va jamais revenir. Ah oui. Voilà pourquoi Nadal fut Nadal, pourquoi Nadal est Nadal et pourquoi Nadal obtient une balle de break. 30-40, cette capacité foudroyante à réaccélérer une balle molle. Parfait. Un serveur comme Rosol, il va falloir qu'il trouve des angles. Parce que sinon, il va tout le temps avoir un deuxième coup à jouer. Et le break d'entrée pour Raphaël Nadal, logique somme toute. Voilà le recours aux angles. Ouh, le splendide ça là, sur la ligne de fond court. C'est possible. Il va pouvoir aller se sécher, Raphaël Nadal, drapé dans sa fierté espagnole. Cette jeune supportrice doit être ravie du début de match de Raphaël Nadal, qui défie presque du regard les spectateurs qui crient leur soutien au sol. Je vais laisser surprendre. C'est pour l'instant évaporé dans la cuvette de Bercy. Je par le rythme de ce match que l'on espérait un peu plus endiablé. Monte. Voilà. Voilà du Rosol. Ah oui, c'est beau ça. Attention. Qu'est-ce que c'est que cette volée? C'est efficace malgré tout. Ce serait intéressant de voir le ralenti, parce que l'attitude de Rosol là, sur la fin de ce point, il a quand même un petit peu toisé. Défier Nadal. On y est, ça y est, Julien. Oh. Love 15. Parfait. Et qu'il n'y avait pas forcément une bonne presse sur le circuit. Parfait. Il
deux mois, l'un qui tombe dans le cours, l'autre qui sort. Et 6-2 pour Nadal, c'est normal, il n'est pas encore spectaculairement bon, mais son adversaire n'est tout simplement pas au niveau pour l'instant. Retour sur le central, premier set, et une démonstration, Frédéric Julien, de Rafael Nadal, le grand gaucher de Majorque, a remporté ce premier set 6-2. Franchement, adversaire ou pas. Oui. Oh là là là, quelle erreur. Ah, c'est magnifique de l'art d'utiliser la géométrie du court. Une leçon professée par Rafael Nadal. Julien, c'est ça le tennis moderne. Cette zone pour bien déporter son adversaire, on se rend compte que voilà, il est capable de finir avec un coup. C'est prodigieux de dextérité au niveau de sa main gauche. Et quelle zone courte croisée. Elle est très belle, très très belle. Le point, c'est discret, mais on sent beaucoup de concentration. Mais quel angle diabolique trouvé par Rafael Nadal. Pour lui, il s'entend. Mais bien joué, 15 à. Oui, parfait. Regarde pas. Et bien voilà, c'est terminé. Au bout d'une montagne de fautes directes, Rafael Nadal a été particulièrement solide, concentré, appliqué. Et surtout, il a profité de la détresse du jour pour Lucas Rosol, qui va plonger au vestiaire et mettre un terme à sa saison sur une bouillie de tennis. Il est content, hein. Il est content d'avoir remis un petit peu l'église au milieu du village, d'avoir réglé ses comptes de façon, on va dire, sportive et sur le terrain. 92% des points gagnés pour Nadal quand sa première balle passe. Rosol n'y était pas en retour de service, ça c'est une évidence, et pas non plus au service, puisqu'il n'a gagné que très peu de points sur sa propre mise en jeu. Oui, on regarde une stat où Nadal a simplement fait le métier. Il a maintenu sa pression, il a trouvé des zones, il a été intelligent aussi dans ses schémas de jeu. Il n'a pas cherché Rosol dans un bras de fer. Il a tout de suite cherché à ouvrir le jeu avec ses angles. Beaucoup de coups de patte, de coups droits liftés. Et puis voilà, il n'a pas beaucoup couru, hein, même pas un kilomètre sur cette partie. Donc voilà, et puis un service Rosol où il est à peine supérieur à Nadal. Normalement, il y a au moins 5 bons pourcents, voire 10% d'écart au niveau de la vitesse. Ça n'a pas été le cas non plus aujourd'hui, donc beaucoup de points négatifs pour Rosol. Et puis Nadal, un match avec des stats à la Nadal. Trottiner sans s'essouffler pour gagner, sans lutter. Le résumé aujourd'hui du match de Rafael Nadal.